Le heavy metal band damage plan took the stage at the Al Rosa Villa during their first set. Toutes ces télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de foudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. All right, all right, all right, Chris, t'as <laughs> pas Bonjour, bienvenue au podcast du crime mes oreilles, ici, ici, Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie du fucking ancien stagiaire qui rapparaît. Comme ça? Comme ça. Non, J'suis... parce que j'ai décidé. <laughs> j'ai le pouvoir. Moi, m'a oh. genre six fois, je savais plus quoi il dire. J'ai la harcelé, j'ai envoyé des pics puis j'ai dit, ramène ton cul. <laughs> Ok, Papi Joe. C'est une autre affaire, j'ai pas vécu pareil euh... comme toi, ça. Non, ok, c'est correct Alright, hey, yeah, euh, vous l'avez pu l'entendre, Papi Joe. Qui rigole, fait que ça doit bien aller? Oh, ben j'ai chaud, là. T'as chaud? Ouais. Encore? Je, je mange mes cuisses, ils ont trop frotté ensemble, fait que je commence à faire de l'irritation. bon, c'est J'ai cool, des ça. grosses cuisses. C'est cool, ça. <laughs> j'ai des gros jambons juteux. Bon. <laughs> fait que, euh, Papi Joe. Oui. Quoi, tu nous parles aujourd'hui? Euh, ben, euh, c'est un petit groupe, hein? C'est un petit groupe, euh, on peut le nommer, je crois, euh, Guns N' Roses. Est-ce est que, est que, est que ça dit de quoi? Est-ce que ça vous dit de quoi? Un petit band. Un petit, un petit underground. band. Underground. Ouais, un petit band underground, tout ça dit de quoi, stagiaire? Comme si, comme ça. T'as-tu déjà écouté ça? Un petit peu. Un petit peu, ok. Genre, euh, Bienvenue dans la jungle. <laughs> Genre, entre autres, quoi. Ouais. <laughs> bienvenue dans la cité du paradis. <coughs> ouais. Euh, enfant sucré de moi. Ah, non, ça là, il est pas sûr. J'suis... Ça là, il n'est pas sûr. <laughs> est... Attends, je vais le traduire. Euh, sweet child of mine. <laughs> aïe, aïe. Ben, ben, On va commencer ça léger. Hein? Euh, ça va être plus léger que toi tantôt, c'est sûr. Mais ça va être. il n'y a pas vraiment de, de gros crimes que je pourrais dire. Ils n'ont pas... Ont... Ont pas vraiment fait. J'suis... Ils ont fait de la mort. Ouais, c'est ça, t'sais, on pourrait dire beaucoup de scandales. <laughs> beaucoup de on va être peut-être ben, pas d'impotent parce que c'est tout corroboré là, Mais euh, puis ça on, on va y aller comme j'ai comme une présentation sur si du groupe, la présentation de leurs cinq albums et euh, après ça on va aller dans la jeunesse du groupe jusqu'à leur signature parce que j'ai lu comme juste 50 pages sur 400 pages d'un livre. Puis euh, juste ces 50 pages-là, j'ai arrêté, ils n'ont même pas signé encore, puis il y a beaucoup de choses à dire. Fait que, on va y aller de ce pas. Be beaucoup de croustillants, déjà. T'es tabarnak. <laughs> C'est ça. Fait on, on va commencer. Euh, Gundam Roses est un groupe américain de hard rock originaire de Los Angeles, en Californie. Formé 84-85, parce que les gens s'assustent un peu là-dessus. Il se compose du chanteur Axel Rose. Des guitaristes Slash et Easy Stradlin, Stradlin, du bassiste Duff McCadron et du batteur Steven Adler. Aujourd'hui, la night-up a changé. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer à l'ancien temps du groupe. Le groupe est devenu un peu. Il est devenu d'année. Nope. Oups, Chris, euh, celle-là, je l'ai mal écrit. C'est bon, quand... encore pas relu. Je <laughs> fait que un jour tu vas apprendre Il est devenu le, le, un des groupes C'est le meilleur raconteur de la gang Mais Chris qui s'en lit pas <laughs> J'ai <Je, rire> une erreur sur huit pages donc... T'as une, une erreur sait, à l's... date sur les pages On sait page. pas <laughs> ouais, On est dans ça, le premier paragraphe <laughs> <laughs> T'es tôt pour dire euh, Une erreur sur huit pages <laughs> Le groupe est devenu en peu d'années l'un des groupes de hard rock le plus populaire avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, dont 45 millions juste aux États-Unis. Fort de ses cinq albums studio, Appetite for Destruction en 1987, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, il demeure l'un des albums les plus vendus de l'histoire. La pochette originale d'Appetite for Destruction est une œuvre de Robert William, peinte en 1977, représentant un monstre de métal en train de s'abattre sur un robot ayant violé une jeune femme allongée sur le trottoir. Euh, les... En fin de compte, t'sais, t'sais, pour décrire l'artiste qui a fait ça, tous ces dessins sont malades. Sont vraiment très beaux, puis je vous conseille d'aller voir les œuvres de Robert William. Axel Rose était allé voir un en personne Robert Williams pour lui demander la permission d'utiliser la toile. Ce dernier accepta, mais les avertit qu'il aurait des ennuis en faisant ce choix. Un an après la sortie de l'album, les ventes n'avançaient pas. C'était dû entre autres à un manque de publicité de la part de MTV qui refusait de diffuser le vidéoclip, notamment en raison de la pochette jugée de mauvais goût. Le groupe fit le compromis de changer la couverture, mais il laissa l'image controversée à l'intérieur de l'album. La pochette actuelle oh, est en. Ça rappelle, euh, Slayer? Ex euh, non, Slayer, qu'est-ce qu'il avait fait qu Il avait juste mis de quoi par-dessus Mais c'est un peu. Mais tandis que là, ils l'ont mis à l'intérieur. Ouais, c'est un peu le même principe. Là. Ouais. Ils l'ont gardé, mais caché. Là. Ouais, c'est vrai, as raison. <laughs> euh, la pochette actuelle est en fait une reproduction du tatouage d'Axel Rose sur son bras droit. Giffen avait bien aimé ce tatouage et décida donc de l'utiliser pour la pochette de l'album. les Comme j'ai décrit un peu, le. le... Moi, quand j'étais jeune, puis j'ai. l'album. Moi j'ai vu le cover avec le, le, la croix, les, quand, les cinq têtes en tête mm -hmm. de mort du groupe. j'étais comme Oh, c'est bien hot comme idée. Et euh, en fin de compte, là, j'ouvre la pochette pour les, les, les paroles en écoutant la musique. Puis là, je vois ce dessin-là, puis je suis comme Wow, c'est vraiment hot!' Mais moi, dans ma tête, c'était genre juste comme un monstre qui attaquait un robot qui venait juste de crisser une volée à une madame <rire> qui vendait <laughs> des petits robots. <laughs> c'est par après si j'ai compris le principe il y avait prince... de de cartooniste dans ta tête c'est ça exactement c'est par après j'ai compris que quand tu dessines une madame avec les bobettes en bas des genoux <laughs> ça l'implique un viol mais ça j'ai oui. appris ça plus tard <laughs> c'était comment euh, ton écoute de ça à ce moment là t'as aimé ça euh, j'y reviens ok tu, tu sautes des étapes uh, alright mais là je saute des étapes t'étais pas mal dans je suis en train de l'écouter <laughs> en lisant les paroles <laughs> exactement mais saute des étapes euh, en 88, Guns N' Roses Lies. Euh, 12 millions d'exemplaires vendus. 12, 12 millions. Oui, 12 millions. OK. Pourquoi 12, 12 millions <laughs> C'est mon partiel qui bouge. Ouais. <laughs> 12 millions d'exemplaires vendus. La chanson One in a Million est une chanson très controversée du fait de ses paroles. Axel Rose, y parle entre autres d'homosexualité en termes d'homophobie de racisme. Cela a déclenché une grande polémique autour du groupe. Il fut alors décidé unanimement dans le groupe de ne plus jouer cette chanson en concert. Cela n'empêcha pas les ventes de l'album de décoller. Au moins, se ça s'est sont... quand même bien passé. C'est ça. Tu... On va enlever cet étonnant du satellite. Puis on va être correct, ça va bien passer. Euh, en 1991, euh, Use Your Illusion, c'est deux albums, as le 1 et le 2. Le jaune et le bleu. Première, euh, le premier s'est vendu à 5 500 000 albums de, à date de 2010. J'ai pas trouvé les chiffres plus récents. Le deuxième s'est vendu à 5 587 000 aussi à, à date de 2010. Dès la première journée de la sortie de l'album, les ventes ont dépassé les 500 000 exemplaires. En effet, le disque est sorti dans les bacs à minuit du fuseau horaire de la Californie. Et seulement deux heures après, le disque atteignait déjà deux, un demi-million d'exemplaires vendus. Le mérite ne lui revient pas en totalité. Les ventes étaient calculées pour les deux Use Your Illusion qui sont sortis en même temps. Fait ils ont fait Oh, ça s'est vendu, bien gros », mais ça, en fin de compte, c'est deux albums qui ont vendu. C'était deux albums différents. C'est ça, exactement. Ils ont totalisé le tout. Le tout, exactement. En 93, de Spaghetti Incident. Ça a l'air le fun, hein? un accident de spaghetti. Mmh. <laughs> C'est quoi là, Accent Rose? Il a fait « Fuck you, je joue pas devant un souper spaghetti! <laughs> » Ouais, sûrement euh, euh, au cash qu'il devait avoir à ce temps-là, il faisait plus de souper de spaghetti. Un album de reprise. L'album débuta à la quatrième position dans le Billboard 200 américain. Se vendant à peu près à 190 000 exemplaires durant la semaine de sa sortie, significativement moins que les prédécesseurs du groupe. Vente de 1 million en date de 2018, l'album comprend une piste cachée, une reprise de Look at your game, girl, écrite par un petit ami qu'on a parlé il n'y pas longtemps, Charles Manson. <laughs> la piste a été gardée secrète et a, a été laissée sur les promos envoyées à l'avance aux critiques. L'inclusion de la chanson a suscité la controverse, les forces de l'ordre et les groupes de défense des droits des victimes exprimant leurs indignations. Rose a déclaré Nous voulions minimiser l'importance, nous ne donnons aucun crédit à Charles Manson sur l'album. Le président du label, David Giffen, a commenté « Si Rose avait réalisé à quel point les gens trouveraient cela offensant, il n'aurait jamais enregistré cette chanson. » Moi, je le crois pas. Là. <laughs> Slash a mentionné... Non, non, non c'est clair. C est... C est... Pourquoi? D'après pourquoi? toi. Allez, allez, pourquoi? Vas-y. Pourquoi? Qu'est-ce qui vend le plus la controverse? <laughs> Slash a mentionné que la chanson était faite avec un humour noir, naïf et innocent de notre part. Rose a déclaré qu'il ferait don de toutes les redevances de performance de la chanson à une organisation environnementale à but non lucratif. Le groupe allait retirer la chanson avant d'apprendre que les redevances seraient reversées au, fil de l au fils de l'une des victimes de Manson. Giffen Record a déclaré que sa part des redevances serait reversée au Doris State Crime Victim Bureau. Fait que, quand même, je trouve ça a bien fini. T'sais, tout le monde. La redevance va aux bonnes personnes, selon mm -hmm. moi. Après ça, on a un petit gap. Euh, on, on pense quand même de. Je la date. On passe de 1993 à 2008. Un petit gap, là. Quinzaine d'années. Euh, Chinese Democracy. Il aura nécessité près de 15 ans de préparation et un budget d'environ 13 millions de dollars. Il est devenu l'album le plus cher à produire. Il est vendu à ce jour près de 5 millions d'albums dans le monde. Euh, C'est juste Chinese Democracy. Euh, 15 ans à produire. Beaucoup pour, pour de déceptions. Euh, il y, a, il y a Silvio qui, qui dit qu'il est et de rire. Ça me fait plaisir. <laughs> Chez eux. <laughs> euh, le, tu m'as tu demandé mon avis. Ouais. Euh, honnêtement, quand j'ai réécouté ça, parce que j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé à lire mon livre, euh, je me suis reclaqué toute la discographie au complet, un après l'autre. Et Appetite for Destruction, c'est le seul album que je trouve qui a bien vieilli. Euh, il sonne encore. T'sais, son son est comme intemporel, tandis que Lies, Guns N' Roses Lies, c'était moyen. Je me souviens, je ne l'ai même pas chez moi parce que je le trouvais moyen, je l'avais écouté. Euh, Use Your Religion 1 et 2, il reste des bonnes chansons dessus. Euh, le bleu est vraiment meilleur que le jaune, mais tu sens que dans le son, ça sonne l'époque. Tu, tu sens qu'il est pas récent comme album tu, tu sens qu'il qu est comme peut-être démodé comme dans production tu veux ouais c'est exactement okay. euh, spaghetti incident c'est Tabarnak! je sais même pas pourquoi ils ont fait ça <laughs> c'est juste mauvais la pochette c'est genre juste du spaghetti là <laughs> je dis là tu passes à peut-être destruction avec comme des vraiment un beau cover avec un art style à l'intérieur tout ça euh, l'aïe, c'était moyen, Use Your Religion, super beau, une pochette correcte, mais tu sais, je veux dire, c'était quand même réfléchi avec les paroles, puis certains dessins à l'intérieur, certains dessins qui reflétaient les chansons, parce que t'avais une chanson dans le bleu qui s'appelle euh, euh, comment ça euh, s'appelle? Tied Up, puis euh, c'est une madame attachée dans les airs avec des gros totons, fait c'était parfait, là. Puis euh, euh, là, tout à il faut que des spaghettis... C'était parfait. C'était parfait. parfait. C'était ça que papi Joe, il voulait. Là. Des gros <laughs> tontons attachés. Puis là, tu as incident, <laughs> un spaghettis incident qui est comme vraiment mauvais. C'est pour Puis, ça qu'il m'invite six fois avant que je vienne. <laughs> <C 'est ça. rire> je suis jamais sûr qu'il partira pas avec la honte. Et euh, en 2008, Chinese Democracy, je me souviens, je l'avais écouté dans le temps et j'avais été déçu. Puis aujourd'hui, avec une nouvelle écoute, c'est que j'ai... C'est qu'il est bon, l'album. Ouais, recule un peu. Ouais, je suis dans ton ouais. champ de caméra. Ta barbe me cache. Je voulais prendre mm -hmm. ton spotlight. Ouais, mm. mon spotlight. Je <laughs> suis en train de me faire bronzer. Mais ça, Chinese Democracy, c'est que c'est pas vraiment un album de hard rock comme les autres présidents qui ont fait. Euh, J'ai plus l'impression qu'il feel genre industriel. Il y a plus un son industriel. Puis en le réécoutant, je l'aime plus là que quand je l'écoutais plus jeune. Mais pour moi, c'est n'est pas un album de Guns N Roses mm -hmm. Mais je, je le conseille aux gens de l'écouter, Chinese Democracy. Ouais, ouais, ben, allez écouter ça. Allez encourager un band. Je pense qu'ils ont de la misère à se nourrir. <laughs> Mais moi, je vais écouter ça, le spaghetti. C'est que j'ai envie de te lancer ouais, ma chaussure ouais. dans les chaussures, dans tous les choix que tu pouvais faire. T'as comme piqué ma curiosité. Je suis désolé. <laughs> c'est pas bon pour ça Regarde à terre. Regarde à terre. Restez. Euh, fait que le... On va commencer avec la jeunesse euh, du groupe. Ben, le, la jeunesse chaotique du groupe. On va y aller, euh, on va passer les membres. William Bruce Roses Jr. Euh, de son petit nom, euh, Axel Rose, que je vais utiliser juste, juste ce nom à partir de maintenant. Parce que euh, des fois, c'est dur à suivre, à toujours se promener du pseudo à la personne. Fait. Né à Lafayette, Indiana d'une jeune mère de 17 ans, Sharon, et d'un père dont il a des souvenirs flous. Axel a déclaré après avoir fait une thérapie de régression. Euh, je ne sais pas si vous savez c'est quoi une thérapie de régression. Vas-y, explique pour ceux qui ne le savent pas. C'est en fin de compte, hum, tu t'allonges sur... Comme le... nous deux. Ouais, <rire> <rire> euh, une thérapie de régression... Les <laughs> yeux <je savais>. <rire> <rire> Une thérapie de régression, c'est en fin de compte, tu t'allonges, puis là, tu revis tes vies antérieures. C'est très new age. Ah, ok, moi, je pensais plus sur tu retournais à ton enfant intérieur, genre, puis tu jouais avec des ça. jouets, puis tout. Mais là, c'est vraiment plus un truc de vie antérieure. Ben, tu là. peux aller chercher ça aussi. mais okay, tu recules autant que tu veux. Tu exactement. Si tu as eu 18 000 vies avant, mais ben, tu peux toutes les faire. Ah, cool. Avec des petits enceintes euh, puis des petits huiles essentielles. Ça, ça te parle-tu, toi qui est ancien, es ancien, t'es moi, vois? Euh, ben, pas tant. Hein? Ça n'a pas <laughs> tellement de rapport, mais. Euh... Mais c'est spirituel. Non, ouais, c'est. J'ai goût d'essayer. Ben, tu, <laughs> bon, rendu là, tu pourrais l'essayer, mais. Je sais pas, j'étais quoi avant. Oui, c'est vrai. Oh, veux tu veux-tu vraiment <laughs> le savoir? <laughs> T'étais sûrement un prince. toujours des affaires de mince. Alors, euh, il a fait une thérapie de régression que son premier père aurait été violent avec lui et sa mère jusqu'à dire qu'il aurait été abusé sexuellement par l'homme. L'homme qui fut le visage paternel qu'il a connu dans sa vie était plutôt Stephen Bailey. Plus précisément, révérend L. Stephen Bailey. Oh! Un autre père religieux. La boucle! <laughs> la... Un Les homme... Référence références à épisode 23, je vous savais. Non, ouais, je, je... non la semaine d'avant. En fait, C'est pas 23, référence hein? 80% des épisodes, là? Hein? Oui, je te dirais, ouais. ça revient souvent à ouais. les parents. Ouais. <laughs> Un homme d'église d'une droiture tangible. Paradis et enfer faisaient partie de sa réalité. Sa mère et Stephen ont eu ensemble deux autres enfants, Stuart et Amy. À 10 ans, Axel connaissait assez bien la Bible pour gagner des concours à l'église et participer à des sermons. Et, ouais, je, sermon, c'est pas genre comme chialer sur quelqu'un. C'est juste comme le gros speech. Puis là, tout le monde danse, tout le monde a du fun. Il a développé. Il était déjà showman. Là. Ouais. J'arrive. <laughs> Il a développé son sens du spectacle. Il a développé de cette façon. Sa façon talent... d'envoyer de chier tout le monde et sortir du stage. <laughs> Arrête de sauter des étapes. Arrête de sauter des étapes. Il a développé de cette façon un talent pour parler devant une foule. Avec le temps, il a appris le piano et le chant. Petit moment désagréable de sa vie. En auto, la chanson Mendy de Barry Manilo a joué. Euh, Je suis allé écouter, c'était qui Man Très belle voix, Mendy. Je vous conseille. Euh, pas Mendy, mais Barry Manilo, très belle voix. Mais la chanson, c'est Mendy. A joué et Axel a participé à la, à la musique en chantant. Ce moment de joie lui avait vu une lèvre fendue de Steven. Car la chanson était le mal. C'est un papa catholique. Parce que... Ça c'est non. C'est non. Il était moins tolérant que les parents d'Emma. Exactement. <rire> <rire> Après cet événement, sa mère lui donna un petit radio portable. T'es triste t'aimes ça la musique, le petit radio portable. Il l'écoutait en cachette et il comprit le pouvoir de la musique autant à l'église que dans la vie des gens en général. Son côté rebelle commença à apparaître, apparaître, changement de look, une certaine confiance en soi qui se développe et les hormones qui se réveillent en voyant les jolies madames. C'est vraiment l'adolescence. <laughs> C'est à cette époque qu'il rencontra Jeffrey Isbell. Mais qui est Jeffrey Isbell? Qui est Jeffrey Isbell? Jeffrey Isbell dit Easy Straddling. Et c'est comme ça que je vais le nommer. C'est Il... drôle. drôle, tantôt, je vois que dans le chat pour être sûr que le monde euh, ait bien compris. De <laughs> quoi ça? Quel nom? Quand tu l'as nommé, lui. Ah, ça se peut. Né le 8 avril 1962 à Lafayette. Il l'a encore fait. <laughs> Merci. T'es es comme mon souffleur. Est-ce qu'on est qu comprend la référence? C'est quoi un souffleur? Ben, ouais... Ouais, vas-y donc, c'est quoi? Ben, comme. Puis là, il y a des feuilles, puis là, ça souffle, puis tout, puis tout, là. Au théâtre, un souffleur, t'avais une scène de théâtre, puis juste devant, t'avais des fois, de du spectateur, tu voyais juste comme un haut qui faisait ça de même, sa scène. Il y avait quelqu'un en dessous de la scène qui avait le texte devant lui. Puis là, en fin de compte, les gens qui faisaient la, la pièce de théâtre, des fois, lui, tu pouvais oublier, puis t'avais le souffleur qui faisait comme il parlait pas fort, les gens dans la salle l'attendaient pas, mais il disait à l'acteur qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise. Fait que f... Frost, Frost Escape, c'est escape, <laughs> mon souffleur. de <laughs> <vio>, leur remercie. <laughs> euh, le je t'ai rendu où, le, le, Né le 8 avril 1962 à Lafayette pour certains, mais d'autres disent qu'il est né en Floride et, et a déménagé après à Lafayette. Fait que certaines personnes s'ostinent, mais rendu là, on s'en calisse. Pendant que Axel se cherchait encore, lui, il était né cool. Jeune, il vivait dans, la... dans un fond de rang, mais à la séparation de ses parents, sa mère déménagea dans la ville. C'est une... quand même une petite ville, hein. c'est comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qui lui permit d'avoir une vie sociale. Il se joignit vite à un... au bôme du coin qui l'invitait à jammer avec eux. Grâce à l'apprentissage du drum, il combattait l'ennui qu'il ressentit. Les deux se sont rencontrés pendant un cours de conduite. Après discussion et plusieurs rencontres, Izzy invita Axel à venir chanter dans son ben de l'époque, qui n'avait pas de nom. Je cite Izzy. Au début, ça n'allait super bien. Fallait un peu le forcer à venir. Parfois, il restait là debout genre tout gêné. Ou il chantait un peu et partait sans rien dire. Je le revoyais deux-trois jours plus tard. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Vers 15 ans, Axel commençait à avoir une certaine popularité aux yeux de la police. Arrêté quatre fois avant ses 18 ans, il a commencé à boire et à se popper des pilules à l'âge de 16 ans. C'est aussi à cette époque qu'il découvrit que Steven n'était pas son père. Ce fut un choc pour lui. Sa vie dégringola à un point que Stephen le jeta en dehors de la maison en disant qu'il avait les cheveux trop longs. Il alla habiter chez sa grand-mère. Ça, c'est un de problème. Ça. Les cheveux trop longs, c'est sûr. Là. Yeah. Les esthistes pouilleux, là. tu rends ça, tu t'envoies <laughs> ça dans l'armée. T'avais-tu <laughs> vu les, les reportages, tu sais, euh, sur Facebook, il y avait bien des vieux reportages, là, ça parlait de tout ça. Les, les... poils contre les yo. <laughs> ouais, ouais, les poils contre les yo, mais c'était genre... Euh... Des années, mettons, euh, 50 là, ou quoi de même. Puis là, ça parle des cheveux longs. C'est c'est comment, hein, ils sont bizarres avec leurs cheveux longs, <laughs> les messieurs? <laughs> Il allait habiter chez sa grand-mère après être sorti, être chassé de chez ses parents. En. Ouh! En 9181, Je pense celle-là, elle <laughs> hey, pas une deuxième erreur. <laughs> non, techniquement, c'est en 1981. Easy fut avec beaucoup d'essais. Là, là Easy, déménagea à LA, où il trouva son nom d'artiste Easy. Environ un an plus tard, Axel le suivit. Ce fut avec beaucoup d'essais et le fait qu'il puisse faire du temps en donnant qui le motiva à affronter la grande ville. Entre Lafayette et Los Angeles, c'est quand même 32 heures de route, selon Google Maps. Fait que tu as le choix. Soit aller en prison, soit faire 32 heures de route. Qu'est-ce que tu prends? Combien de temps de, de prison? Ah, ça, je sais pas combien de temps de prison. C'est des petits méfaits, là, mais quand même, tu prends les 32 heures de, de route, d'après moi. <laughs> Alors, on va aller voir un autre personnage parce que c'est pas tout de suite qu'il qui se rencontre. Saul Hudson dit slash. Excusez. C est quand même... Euh... Wow. <rire> 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 uh, slash c'est quand même le... Pour moi, comme un des personnages les plus iconiques, c'est son chapeau, les cheveux frisés, qui joue de la guitare super bien. Il est né le 23 juillet 1965 à Amstead, un quartier de Londres, au Royaume-Uni, d'un père anglais et d'une mère afro-américaine, tous deux impliqués dans le monde du spectacle. La mère de Slash, Ola Hudson, avait créé des costumes de scène pour John Lennon, David Bowie et Diana Ross. Des, des petites pointures des, ouais c'est ça tu sais des petits newbies des nobody, là personne personne connaît non personne d'après moi même de stagiaire il connaît pas ça tu me c'est la la tata tata ta. oh, c'est pas une référence moi je l'aime son <laughs> père Anthony Hudson est artiste peintre en 1970 papa et fiston rejoignent leur mère qui vit à Laurel Canyon Los Angeles euh, c'est une drôle de place. Tu sais, Los Angeles, tu penses que c'est une grosse ville avec mm -hmm. plein de crimes où est-ce qu'il fait chaud, comme ici. Ah, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais le euh, <laughs> Laurel Canyon, c'est comme une... c'est comme un flanc de montagne. C'est comme. C'est toutes des maisons à flanc de montagne avec plein de boisés, tout ça. Mais c est, c est, pour moi, c'est pas ça, Los Angeles. Mm -hmm. Mais ça a l'air que ça en fait partie. C'est peut-être avec des fusions. <laughs> une vie de rêve de bobo. Euh, pour les, nos auditeurs, c les, les, les bobos, on appelle ça des bohèmes bourgeois. Dire, en fin de compte, du monde plein de cash qui vivent comme des picrotés. <laughs> <laughs> c'est ça? Ben ouais, c'est ça, un bobo. Ouais, ok. Ouais. 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 Un des souvenirs forts de sa jeunesse de Slash, je le cite, « Quand je revenais de l'école... » « Quand je revenais de l'école et la musique des Doors résonnait partout dans la maison. Très jeune, il se fait surnommer Slash car il courait partout comme un fou. C'est Seymour Cassel qui aurait offert ce sobriquet à Slash. » Seymour Cassel aussi, c'est pas une petite pointure. tas chaud, mon grand? Ouais, un peu. Un peu, hein? Ça coule. Ça coule? Je t'excite. <laughs> « <laughs> Ses parents se sont séparés quand il était pré-ado. Ce fut une douleur pour lui. » Il trouva de la stabilité seulement en allant vivre chez sa grand-mère. Même là, ça ne l'aidait pas. Déjà à 12 ans, il buvait, fumait et n'était plus puceau. Il chercha un, une suppos famille dans un gang de BMX avec, les plus vieux que, avec des plus vieux que lui. Il les voyait comme des grands frères. Un an à côtoyer cette nouvelle famille, de restantes familles dysfonctionnelles lui donna un autre faux pli la kleptomanie. À travers tout ce négatif, il développa une forte amitié avec Steven Hadler. Mais qui est Steven Hadler? Je sais né... pas, bon, on le savoir plus s'il parle dans son micro. -cours. Ouais, c'est ça. Tu... <laughs> <Comme> ça. <laughs> Steven Hadler, né Michael Colenti, le 22 janvier 1965 à Cleveland, dans l'Ohio. Il fut le batteur de Guns N' Roses entre 85 et 90. Il est le. Un gros 5 ans. Hein un gros 5 ans, un euh, 5 ans assez intense. Il est le fils d'un père italo-américain, Michael Coletti, alors que sa mère est une américaine de confession juive, Diana Coletti. Après le divorce de ses parents, il part avec sa mère vivre à Los Angeles afin de respecter la tradition juive qui interdit de nommer des enfants comme leur père, il est renommé Steven. Puis il prend le nom de famille du nouveau mari de sa mère. Melvin Adler. Tous ces changements laissant une blessure profonde pour ce jeune homme quand il avait 7 ans. L'huile euh, profonde à 7 ans. À l'âge de 12 ans, il vit un show de kiss. À... <laughs> Il vit un show de Kiss à Disney World. Bon, moi, en tout cas, ça m'étonne que Disney World ait <laughs> laissé Kiss aller là, mais... Ouais, hein? Drôle de, drôle de match. C'était pas les démons, là? <laughs> Disney. Il voulait devenir un rockstar. Parce que, tu sais, je veux dire, tu veux Kiss, tu veux devenir une rockstar, c'est Ça donne le goût. Ça donne le goût. Ça donne le goût, là. C'est est un esti show. show. T'essaies de mettre ta face sur des condoms. Il comprit vite que ce ne sont pas les bons garçons qui deviennent des rock stars. Avec Slash, il manquait souvent l'école. Il flânait en s'imaginant leur vie de grosses vedettes euh, Question, as-tu vu euh, Kiss avec Slash? Non, c est, c est, il était tout seul, okay. avec sa famille. C'était vraiment une sortie de famille. On s'en va à Disney World, puis il y a un show de Kiss. Okay. Ça me paraît un peu étrange, mais regarde. Yeah. Il se le rappelle certains moments décadents de cette époque, euh, je cite nous, sor nous sortions rencontrer des demoiselles souvent plus vieilles. Elles nous ramenaient dans leurs beaux appartements de Beverly Hills. Euh, Beverly Hills, c'est quand même un quartier chic et il euh, y avait de l'argent. Elles nous offraient de l'alcool et de la poudre. Nous nourrissaient Nous avions qu'à les fourrer en retour. Je me souviens d'un gars qui venait me chercher pour une pipe. Il me donnait un peu de dope et trente <coughs> à quarante piastres en retour sais, des choses légères que tu vis à l'adolescence, un monsieur 30-40 pièces mois. C'est bizarre. <laughs> Je vois pas de quoi tu parles. Ah non, hein. Adler dans le passé a goûté aussi aux prédateurs pédophiles d'Hollywood. Dans sa biographie, il admet avoir été kidnappé et violé par deux étrangers qui lui ont fait vivre un enfer pour une nuit. Pour lui et slash la musique fut la porte de sortie, le défloir de toute cette colère. Tout était trop compliqué pour ces deux bougres. La situation ne s'est se, ne pas améliorée avec le, la rencontre des deux autres étranges avec des supposés étranges, Axel et Izzy, entre 84 et 85. Les quatre personnages se sont croisés dans différents bennes. C'était un temps où les gens changeaient de groupe comme ils changeaient de Bobette. Non, je m'excuse. Ils devaient sûrement changer de Ben plus souvent qu'ils changeaient de Bobette. <laughs> fier, le Ça paraît presque. <laughs> non, non, hein? <rire> mm. <rire> ouais. Euh, Enter M Michael Andrew McCaggan, dit Duff McCaggan, né le 5 février 1964 à Seattle. Il est le plus jeune d'une famille de huit enfants, dont les parents sont Elmer et Alice Marie McCaggan. Il vient d'une famille de classe moyenne. Ses parents se sont séparés quand il était quand même jeune. Maman trouva papa avec la voisine dans le lit familial. Oh, je trouve c'est une bonne raison de se séparer. Là. Parce que, tu s'il avait trompé sur le divan, je comprends pas pourquoi, mais dans le lit familial, c'est non. D'accord, je continue. <laughs> Ce fut un traumatisme pour le jeune Doff. Il commença à faire des crises de panique qu'il contrôla avec de l'alcool au début. Et avec, de temps, avec le temps, de la drogue. Il trouva un refuge parmi la scène punk de Seattle. À 15 ans, il forma son premier ben, de Vane. En 84, il quitte Seattle pour aller à LA. Il avait 20 ans. Selon Saint-Dire, à cette date, il avait déjà été dans environ une trentaine de ben punk de Seattle. Ça, 30, je sais pas, c'est un peu exagéré selon moi. Hein. 30 ben punk. En à peu près 4-5 ans, c'est beaucoup. <laughs> Encore selon ses dires, s'il avait su l'émergence du grunge à Seattle, il serait resté dans sa ville natale. Mais plusieurs croient que non. Il était trop princesse pour fitter avec les, la scène grunge. <laughs> il aimait ça, les cheveux crêpés. Tu peux-tu nous parler de la, la, du fight avec Nirvana, ben, du beef avec Nirvana? Euh, Peut-être, mais pas cela. Peut-être un peu plus tard. Il... Parce que je sais qu'il s'aimait pas beaucoup. Là. Ah, ben, il est arrivé de quoi, mais ce pas avec eux autres. Euh, C'est Dove qui fut le ciment du groupe. Il cherchait à entrer dans une formation. On lui suggéra de contacter Slash. Dans sa tête, Slash, ça sonnait punk. Il rencontra Slash et Steven, George Jazz, Bonfield, mais il manquait un petit quelque chose. Il garda le numéro de téléphone précieusement en cas. Peu de temps après, il rencontra Axel et Easy dans un bar. Les deux jouaient avec leur groupe de l'époque. En jasant avec eux, il sentit un déclic. Il les invita. Il invita le Ben à faire une petite tournée genre road trip à l'extérieur de Los Angeles. Les deux autres groupes, membres du groupe avec Axel et Easy, ça leur tentait pas à faire une petite tournée. Solution de secours, Slash et Steven. Que, que Axel... Et ils y connaissaient des gens un peu pour les avoir croisés. Fait, sorti, le non, les de shows, les fait, sorti le numéro de téléphone. Exactement, sorti le numéro de téléphone et ça vous dessus. Finalement, j'ai de quoi quoi. <laughs> On fout le matériel dans une minivan qui tient par deux, par peur sur les quatre roues, destination Seattle. Et c'est parti pour la première tournée de Guns and Roses. 160 km sortis de LA, la minivan mourut. <laughs> Ah, ils ont été loin. Ils ont été loin. Ils ne purent respecter les trois shows prévus, mais se rendirent quand même à Seattle pour leur premier show à l'extérieur de Los Angeles. Devant une, dizaine de... Devant une dizaine de personnes, ils ont donné le show. Le propriétaire de la place ne voulut pas les payer car il n'avait pas assez attiré de gens. Une affaire d'à peu près 200$. Axel essaya de mettre le feu dans la place par pure colère. Ils furent chassés, euh, ils furent chassés euh, du bar Sous influence de l'adrénaline et sûrement d'autres substances, ils rentrèrent dans un autre club où ils essayèrent d'emprunter le matériel d'un groupe présent, un petit groupe du coin, Soundgarden. Oh. oh! Oh! Un petit groupe ben, du coin. Ben. Le groupe en sortit plus soudé que jamais parce qu'ils n'ont pas réussi, mais tu sais, tous ces événements-là, ça a quand même soudé le groupe. À cette époque-là, ça a soudé les <laughs> Ça n'a pas été soudé tout le temps. Ça. Non, ça n'a pas toujours été soudé, cette affaire-là. Euh, L'origine du nom, cela peut sembler être le nom parfait pour un groupe de rock de Los Angeles, mais en fait, il est né par peu hasard. C'est en enfin fait la fusion de deux groupes précédents, Hollywood Rose, qui est Axel Easy, et, et gone slash et Steven. Fait que, euh, ils ont fait comme Fusion Dance. <laughs> Guns and Roses Safari. Oh, C'est c'était parfait. Euh, C'est ça. Allez voir Dragon Ball. Après cette tournée d'enfer, on s'entend pour la tournée d'enfer, vient la maison de l'enfer. Ils habitaient un petit entrepôt de 12 pieds par 12 pieds dont ils avaient rajouté une pièce, une chambre à coucher bricolée avec des bouts de bois qu'ils trouvaient un peu partout. C'est genre bidonville. Ils vivaient de petits boulots, juste assez pour manger chaque jour et payer le loyer de l'entrepôt. Quand les bars fermaient, c'était l'endroit pour continuer le party. Cinq dudes qui commencent à percer dans la scène musicale attirent son lot de madame qui veulent triper. Certaines femmes qui se ramassaient à l'entrepôt étaient librement exploitées. Pendant qu'un se vidait la bourse, un autre vidait la bourse de la madame. Je cite Axel, il y avait beaucoup de sexe, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous insistions les filles à rentrer dans notre loft. Après, quelqu'un fermait la lumière et je criais Mettez-vous à poil ou sortez. Slash a rajouté Je couchais avec des femmes juste pour pouvoir aller dormir chez elles. C'était la vie de, de pauvres, tu sais. Tous il... ces pauvres. Oui, ils vivaient le jour, le jour. C'est aussi assez... En gros, euh, on viole tout le monde, <laughs> Non, ils ne violaient pas. Non, 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 non. Ils est... il couchaient avec la madame. La madame était consentante. Elle peut-être pas consentante pendant que quelqu'un y faisait poche. <laughs> elle était consentante pour le rapport sexuel. Mm -hmm, Soit ouais. des violeurs ou des voleurs. Et voilà. C'est pas, pas de l'abus de. <laughs> non, c'est pas de l'abus de pouvoir, nullement C'est aussi à cette époque que le groupe commençait à fricoter avec l'héroïne. Car l'alcool cheap et les peluses, ce n'était plus assez fort C'est fin... toujours un bon mix. Ouais, c'est toujours un bon mix. C est... C est... C est... C est Parce qu'ils ont sûrement arrêté, l'alcool cheap. <laughs> Parce que là, ils pouvaient se payer de l'alcool. Ça, c'est plus tard, c'est pas encore. Là. Ils sont encore dans le cheap, là. La fin, la fin de ce loft eut lieu en décembre 1985. Une ado de 15 ans nommée Michelle, qui se tenait au loft souvent, péta un plomb. On a différentes versions. La version d'Axel, elle niaisait avec l'équipement et Axel la chassa, ce qui la poussa à courir nue sur le Sunset Boulevard. Pour les gens, où vous situez le Sunset Boulevard à LA, c'est genre le boulevard le plus achalandé. C'est là que tu vas courir tout nu. Si tu veux de l'attention, c'est là que tu veux. Et il fut arrêté par la police après plusieurs appels des voisins. Quand, la, quand les policiers interceptant, elle ne se rappelait plus son nom. Version de slash maintenant. Axel et Michel eurent euh, du sex time. Vers la fin de la nuit, l'alcool et la drogue fut leur effet. Elle péta un plomb. Axel tenta de la jeter dehors de façon subtile, mais non. Après que la petite se soit calmée, la police a fait une, la police a fait une descente au lof. Tout le monde fut sorti, sauf Axel. Il resta caché derrière de l'équipement avec une autre fille. Comme Axel ne fut pas interrogé, la police laissa plusieurs fois des avis à l'entrepôt. Le Ben commença à paranoyer un peu normal avec tout ce qui se passait là. Ils cancellèrent même des shows de peur qu'Axel soit arrêté. De peur, ils demandèrent à Vicky Hamilton. C'était comme la supposée gérante, bouqueuse, promotrice du groupe. S'il voulait faire un show, il l'appelait elle, puis elle s'arrangeait avec. De le... gérant. Ouais, mais Genre. Je, je reviens là-dessus. <laughs> ils appelèrent Vicky, puis ils demandèrent de loger Axel le temps que ça se calme. Ça ne se calma pas de sitôt. La jeune Michelle porte plainte pour harcèlement sexuel. Vicky fournit un avocat à Axel et il fit du bon travail car, <coughs> car la plainte fut abandonnée par les parents de Michel. Euh... Vicky? Vicky fut leur mère Teresa. <laughs> Elle... C'est quoi cool de le dire? Hein? Oui. Elle les prit sous son aile sans rien signer avec eux. Ils, ils abandonnèrent leur loft pour vivre dans son 3,5. Ils dormaient tous dans le salon. Ils allaient jusqu'à prendre des vêtements de Vicky pour leur costume de scène. Parce qu'on se rappelle, c'est les années 80, le glam rock. Ouais, glam rock, glam metal. Les, les pantalons trop serrés. C'est ça. Et les gang. C'était pas des les gros leggings. Chevelures. Les grosses chevelures. C'était pas des leggings. Il y avait des leggings. C'était des pantalons de cuir. C Il y avait du legging aussi. Ah ouais, ok. Oui. Je suis pas, pas très fan du legging. Mm -hmm. que... Les leggings Léopard. Leggings... Oh. C'était pas des pantalons de cuir Léopard. Non. Ah, pas ok. pas du hein? okay. Je voyais du cuir partout. Vicky. On p le sait. <laughs> <laughs> Qui aime ça Le cuir, Papy <laughs> On l'avait <laughs> compris. <rire> Euh, Vicky prit part au développement du fin du groupe. C'est même elle qui les amena à différents bureaux de major record. Mais fait cocasse, Axel a même dit qu'il signerait si l'une des directrices courait nue sur Sunset Boulevard. Ils furent chassés <laughs> de l'entrevue. <laughs> 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 <'as un> <laughs> <laughs> C'est parfait ça. <laughs> uh -huh. euh, ben, quand même, ils furent chassés de l'entrevue. <coughs> finir... Je comprends pas pourquoi. Hein. Ils finirent par signer avec Giffen. Le problème, c'est que Giffen ne voyait pas Vicky comme la manager potentielle pour le groupe. Pour pas qu'il ait de chiale, Giffen offrit un poste dans la boîte à Vicky. Vicky s'endetta pour aider le groupe et le groupe lui donna aucune scène pour la dédommager. <laughs> On dirait que je suis pas étonné. Ouais, hein, c'est ça. <laughs> Guns N' Roses était tellement wild. Une autre qu'on pouvait voler. Ouais, c'est ça, une autre madame qu'on pouvait exploiter d'une autre façon. Guns N' Roses était tellement wild que Giffen eut de la misère à leur trouver un manager. Ils, ils furent refusés par des grands de l'époque. Euh, je n'aimerais pas tout le monde, mais juste vous donner une idée, ils furent juste refusés par le manager de Monthly Crew. On s'entend que lui aussi uh -huh. avait peut-être l'expérience. Euh, celui d'Iron Maiden aussi quand okay. même, euh, je vous dis, ils ont approché des grands noms. Ils trouvèrent chaussures à leurs pieds en Manny Charlton, guitariste de Nazareth, ancien héros d'enfance d'Axel et Easy, ce qui, ce qui aidait. Tu, tu pognes leur héros d'enfance, ils se sont calmés, ont en fait mm -hmm. nice. De là, ils purent commencer l'enregistrement de leur premier album, Appetite for Destruction partie 1, 1. terminé Fait que c'est ça il, t'sais, il y a tellement d'autres choses aussi Il y a tout comme le, le côté jurisprudence Qui qu ont vécu avec Vicky Je ne l'ai pas tout décrit Mais c'est ça ça, ça, ça Ben, ça mm -hmm. brassé C'est juste de l'aller-retour, du chiolage Du niaisage mm -hmm. Elle Ça a pris un Puis après ça, t'as comme les autres parasites ouais, qui ça. ça vient en troupe C'est ça, c'était une hein? troupe ah, ben merci tout le monde d'avoir été là euh, pour euh, le, cet épisode du crime à mes oreilles, épisode 24 à euh, partir de Guns N Roses euh, Où est-ce qu'on peut nous suivre? Moi ça? Oui. Yes, du à mes Oui. Du à mes il y a tous les liens là-dessus. Il ouais. euh, y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitch, il y a Patreon. Discord. Discord. Discord, elle est là. Elle est là, on, je suis, on est là, puis on jase, des fois. <laughs> puis tu fais des Myth oh Manor? Oui, puis le, le mercredi prochain à 9h06, c'est Myth Manor. Ça va être rendu ben, ça, dépend, ça, ça dépend, mercredi, quand parce la que personne Tu comme... T'as combien d'épisodes? Dans, un... dans un mois. Dans un mois? Ouais, ça va être l'épisode quoi, dans un mois? Je ne sais pas, moi. <laughs> je ne sais pas, je pense qu'on est rendu à 5-6, faudrait que je check, parce que j'ai coche là, mais je ne m'en souviens pas par cœur, là. Tu me les envoies, là. Tu as déjà tout fait de tes lives, là. Tu me les as pas encore envoyés, là. Je veux okay. les écouter, moi. Ah, bah oui, je vois, ça. Je sorti de la tête. Tu vas regarder des mamans, genre, qui croisent les fils de d'autres mamans, qui croisent leurs fils. Ben, j'écoute ça avec, euh, avec Jenny, là. on croise trouve ça bien drôle. C'est quoi, Jenny Elle veut pas venir sur Discord avec moi Elle me déteste ah mais tu fais ça tout le temps quand je suis live, si tu dépêches. C'est parce qu'elle est disponible à 9h, puis à 9h06, tu commences. Ouais, que... oh, ça, disparaît. <laughs> Bon, ben, bonne soirée tout le monde Et merci d'avoir été là. Merci à ceux qui sont sur le Twitch. On était content de, de vous avoir euh, avec nous. Il y a Sylvio qui a une petite question avant qu'on confirme. Qu combien de parties tu penses qu'il va y avoir? Ben, moi, j'ai juste une partie intime, mais... Non, <laughs> euh, pour euh, ton histoire de Guns and Roses, combien de parties va <laughs> euh, y Deux, trois... Deux certains, trois peut-être ce serait triste qu'il n'y en ait pas deux. Ouais, ça serait drôle. <rire> <rire> Je meurs demain. Oh non. <laughs> J'ai pas envie de lire ce livre-là. <laughs> c'est simple, c'est en anglais. Ah euh, oui. Yes, sir. Fait que bonne soirée tout le monde et merci d'avoir été là. Et à la semaine prochaine pour un autre podcast de Du Crime. À, euh, dans deux semaines pour un autre podcast de Du Crime à mes oreilles. Bonne semaine. Yes. Bonne semaine. <laughs>